يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع قدر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. حسبك. بارك الله فيك. وائل. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا نتعلمه ولا نعمل به، مثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. نعم، اختم. ولا فرق في هذه النواقض في هذه ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادي والجادي والخائف إلى المكره، وكلها وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبة غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم. على خير خلقه محمد، وصلى الله على خير صلى الله على خير خلقه محمد، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. طيب، إذن يقول الشيخ، ما زلنا في الناقض العاشرة، يعني أخير إن شاء الله تعالى. يقول: من أنواع الإعراض والتولي، ذكرنا الأول الإعراض عن حكم الله، الإعراض عن حكم الله والأخذ به، والثاني الإعراض عن سماع الحق من القرآن العظيم والسنة النبوية. Donc on avait cité déjà deux catégories de i'rad. L'i'rad, le fait de se détourner, de se désintéresser, d'accord, d'une chose. Donc on a vu le dernier annulatif de l'islam, l'i'rad an dinillah, le fait de se détourner, de se désintéresser totalement de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Ni la personne n'apprend, ni elle met en pratique. D'accord. Et donc il y a plusieurs formes de i'rad. La première, le fait de se détourner du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas vouloir connaître quel est le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et encore moins l'appliquer. La deuxième catégorie, le fait de se détourner, d'écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne ne veut pas les entendre. هذا إعراض كذلكم عن السماع. أي سماع الحق. الثالث الإعراض عن التعلم والتفكر في الأمور لمعرفة الحق. الإعراض عن التعلم والتفكر في الأمور، في الآيات الكونية والشرعية، لمعرفة الحق. يقول تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ويقول عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ويقول عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين. La troisième catégorie, ou la troisième forme que peut prendre l'i'rad, le fait de se détourner, de tourner le dos. Tourner le dos à l'apprentissage. Tourner le dos à la réflexion. À toute forme de réflexion, ou toute forme de méditation ou d'apprentissage qui te permettrait de trouver la vérité et de connaître la vérité. Vous voyez ? Il dit Allah Jalla wa Ala dans le sens rapproché: ont-ils pris en dehors de lui des divinités? Donc ici Allah, il pose la question: amittakhadhu min dunihi aliha? Mais bien sûr, c'est une question qui exprime l'inkar, la réprobation. La réprobation, le blâme, c'est pas une simple question. Dit: apportez vos preuves, votre preuve. Ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi et de ceux
avant moi. D'accord? C'est-à-dire, Hada, ce Coran, Dhikru. Dedans, il y a l'évocation des gens qui sont avec moi. Hein? Il y a une idée. Ceux qui obéissent à Allah, ceux qui désobéissent à Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et il y a l'évocation également des communautés qui m'ont précédé. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme, hein, comme châtiment, notamment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque elles ont désobéi à leurs prophètes et messagers. Bel aktharuhum la ya'lamun al-haq. Mais plutôt, la majorité d'entre eux ne connaissent pas la vérité, ne savent pas la vérité. Fahum mu'ridun. Et ce sont des gens qui ont tourné le dos, qui ont fait preuve de i'rad, hein, de le fait de se détourner ou de se désintéresser totalement du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui les a amenés, en gros, à ne pas connaître la vérité, à ignorer la vérité. Mais pourquoi ils l'ont ignoré? Pourquoi ils ne l'ont pas connu? Parce que justement, ils ont ignoré le fait de réfléchir, de chercher, de méditer, hein, sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah jalla wa ala dans le sens rapproché, surat Yasin, et il n'y a pas une preuve ou un signe parmi les signes de leur Seigneur qui leur est parvenu sans qu'ils ne se soient détournés de lui. D'accord? Il dit également, فَمَا لَهُمْ عَنِ تَذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ. Qu'ont-ils à se détourner, hein, du rappel, des signes du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de se détourner de l'apprentissage, de la réflexion, de la méditation, afin de parvenir à la vérité. الرابع الإعراض عن العمل بما يسمعه من الذكر أي سمعوا الذكر لكنهم لم يعملوا به ويقول تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Et la quatrième forme que peut prendre le fait de tourner le dos, de se désintéresser, ici, tourner le dos à l'application. Une fois que la personne a entendu le rappel, hein, elle sait la vérité, mais malgré ça, elle tourne le dos complètement à l'application et à la mise en pratique de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ici, Allah, dans la sourate Sejda, il dit, qui est plus injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur, puis malgré ça, s'est détourné de ce rappel. Donc il a entendu le rappel, mais il s'est détourné. Et il ne veut pas obéir ou suivre ou mettre en pratique ce qu'il a entendu. Il dit Allah, Inna minal mujrimina mutaqim. Allah, il les a appelés mujrimoun, hein, des criminels, des malfaiteurs. D'ailleurs, et Allah Jalla wa'ala dit Inna, nous allons les châtier pour faire preuve de représailles envers eux. وَتَارَةً يَكُونُ الْإِعْرَاضُ كُلِّيًّا فَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَلَا بِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِدِينِهِ فَيُعْرِضُ عَنْ شَرْعِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا وَتَصْدِيقًا وَعَمَلًا. Donc, des fois, le fait de se détourner, de tourner le dos, peut être fait d'une manière totale, de façon absolue. La personne tourne le dos à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala totalement. D'ailleurs, elle ne croit ni en Allah, ni à son messager, ni à sa religion, mais au contraire, elle a tourné le dos complètement à la législation d'Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit de manière globale ou détaillée, ou le fait de croire ou de mettre en pratique. Ici, vraiment, yani, c'est un i'rad total, absolu. Wa taratan yakunu al-i'rad 'an al-'amali kasalan wa tahawunan ma'a al-iqrar wa at-tasdiq wa al-i'tiqad. هناك إقرار تصديق اعتقاد لكن أعرض كسلا وتهاونا
يزيد وينقص عنده العمل بحسب ما في قلبه. فمن أعرض عن شرائع الله فلا يتعلم الأمور التي يجب عليه أن يتعلمها لكي يقوم بعبادة الله الواجبة عليه من طهارة مثلا والصوم وزكاة وأحكام البيع والشراء إذا كان يشتغل بالبيع والشراء مثلا، وأحكام النكاح والطلاق إذا كان يريد الزواج أو يريد الطلاق، وغير ذلك من أحكام الدين التي يجب عليه أن يتعلمها، لأنه بلغ إليها وهي بلغت إليه حكما. فإنه إذا أعرض عن تعلمها لا يعذر بجهلها، هذا لا يعذر بالجهل لأنه أعرض عن تعلمها فلا يعذر أبدا. وكذا إذا أعرض إعراضا فيه معنى أنه يستحل تركها، يستحل تركها، أو أنه لا يجب عليه تعلمها، أو أنها غير لازمة له، أو أنها غير صالحة له أو للزمان الذي يعيش فيه، فإذا أعرض إعراضا بهذا المعنى فإنه يكون قد أتى بناقض من نواقض الإسلام عياذا بالله. Puis il dit parfois, il se peut que la personne fait preuve de le fait de se détourner de la pratique de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, mais par paresse. Par paresse, par négligence. D'accord? Bien que la personne reconnaisse l'islam, reconnaît la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle croit en Allah, elle croit aux anges, elle croit aux livres, elle croit aux messagers, elle croit au destin, elle croit en tout ça. Et donc, cette personne-là, elle, ses actions vont être en fonction et seront proportionnelles à ce qu'il a dans le cœur. D'accord? À la foi qu'il a dans le cœur, il fera des actes en fonction de sa foi. D'accord? Non. Donc celui qui s'est détourné de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui n'apprend pas les choses obligatoires, les choses qu'il doit obligatoirement savoir et connaître, afin que l'adoration d'Allah, lorsqu'il adore Allah Jalla wa Ala, et notamment les adorations obligatoires, telles que la prière par exemple, donc les règles concernant la purification, concernant la prière, le jeûne, zakat, les règles pour ceux qui sont dans le commerce, la vente et l'achat, les règles de al-bay' al-shira, l'achat et la vente, le commerce. Voyez? Ou ceux qui sont concernés par le mariage ou le divorce, ils doivent apprendre obligatoirement au préalable les règles du mariage ou les règles du divorce. Ça devient obligatoire pour lui à ce moment-là. Vous voyez? Ou, quelles que soient les règles de la religion, qu'il est obligatoire pour lui de connaître. D'accord? Donc, si la personne, malgré ça, ne cherche pas à apprendre, ne veut pas apprendre, se détourne de l'apprentissage, eh bien, ne sera pas excusé par l'ignorance. Ici, son ignorance n'est pas quelque chose d'excusable. Ce n'est pas un prétexte ou une excuse valable auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Taïb? Eh na'am. Et vous rappelez, on avait vu que l'établissement de la preuve, elle se produit à quel moment? Lorsque Allah Jalla wa Ala, il a descendu son livre, lorsqu'il a envoyé son messager, et lorsque la personne elle est capable
elle a la possibilité, la capacité de parvenir à la vérité. Donc, s'il y a ces conditions-là qui sont réunies, donc les deux premières, Alhamdulillah, Allah il a descendu le Coran, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc maintenant, la preuve, elle est établie à quel moment? Lorsque tu pourras, lorsque tu auras la capacité, la possibilité de connaître la vérité, de savoir ce qu'est le message d'Allah tabarak wa ta'ala. Al-halal ou al-haram. Qu'est-ce que tawhid? Qu'est-ce que shirk? Et à notre époque, aujourd'hui, on est pratiquement tous dans la possibilité de parvenir à la vérité. Avec les moyens hein, de communication récents, on n'a plus besoin pratiquement d'aller à la mosquée. Parce que tu peux apprendre même hein, à la maison. Donc, qui est-ce qui est excusable aujourd'hui? Pas grand monde. T'as vu? Et également celui qui s'est détourné de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala en croyant qu'il est permis de délaisser l'apprentissage. Vous voyez? Il te dit, il ne s'est pas obligé d'apprendre. Ce n'est pas une obligation. Tu pries, tu n'as pas besoin d'apprendre comment prier, tu pries. Vous voyez? Tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'apprendre les règles du jeûne. Et ainsi de suite. Ou celui qui dit que l'apprentissage, le fait d'apprendre sa religion, n'est pas quelque chose d'indispensable. C'est pas grave que tu apprennes ou que tu apprennes pas, c'est pas vrai. Encore pire, celui qui croit que les règles religieuses ne sont pas viables aujourd'hui, ne sont pas quelque chose de viable ou de praticable à notre époque dans laquelle on vit. D'accord? Donc celui qui fait preuve de i'rad sous cette forme-là de i'rad, eh bien il aura et il sera tombé dans un des annulatifs de l'islam qui rend licite le fait de ne pas apprendre. Tu n'as pas besoin d'apprendre, c'est pas indispensable. Ou alors que ces règles que l'on apprend ne sont pas conformes, taillées ou viables pour la période dans laquelle on vit actuellement. وَأَمَّا إِذَا قَصَّرَ فِي تَعَلُّمِهِ كَسَلًا وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّ تَعَلُّمَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي التَّشْرِيعَاتِ مِنْ طَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا وَأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي هَذَا طيب وَأَنَّهُ آثِمٌ فِي هَذَا فَهُنَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ وأنه من أهل المعاصي والذنوب والكبائر ولا نقول إنه خارج من أو عن شريعة الله تبارك وتعالى. En revanche, celui qui a fait preuve de négligence dans son apprentissage, ou de paresse, ou de fainéantise, d'accord, c'est pas pareil. À condition que, bien sûr, il croit que apprendre les règles de la religion d'Allah tabarak wa ta'ala est obligatoire. Il te dit oui, c'est vrai. Il est obligatoire pour chaque musulman d'apprendre comment faire les ablutions, comment se purifier, comment se laver, comment se nettoyer, comment prier, comment jeûner. Il reconnaît que c'est obligatoire. Hein? Et il reconnaît aussi que, du coup, lui, il est négligent dans ça. Et qu'il commet un péché, certes, en faisant ça. Il reconnaît son erreur et son péché. Donc celui-là, on ne dit pas qu'il est sorti de l'islam. On dit qu'il est égaré. Il est égaré et il est désobéissant. Taïb, à Allah Jalla wa Ala. Et qu'il est même dans un péché majeur. Mais de dire qu'il est sorti de l'islam, car il n'apprend pas, d'aller. Donc on revient quand même à la croyance de la personne. D'accord? Si elle reconnaît que c'est obligatoire, mais que malgré ça, elle n'apprend pas par paresse, eh bien, elle aura commis un péché. Vous voyez? Mais celui qui te dit, non, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas important, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas compatible
hein, à notre époque, il n'y a pas de doute qu'il aura commis un naqib, min nawaqid l'islam. Même s'il prie, il prie et il dit que c'est pas pour lui, c'est celui qui fait du shirk, il prie. Il prie à lui, ça quelque chose, après. Le shirk akbar, il prie. Nawaqid l'islam. Un annulatif de l'islam, c'est une chose qui annule l'islam. Même si la personne, elle dit la ilaha illallah. Parce que justement, pourquoi on les appelle nawaqid? Parce qu'ils viennent annuler. Ils viennent annuler, défaire quelque chose qui a été noué. Vous voyez? Donc si la personne, elle est jeune, elle prie, etc., mais qu'à côté, elle rend licite l'alcool, maintenant, elle tombe dans un acte. Il y en a qui annule l'islam de la personne, il n'y a pas de doute que sa prière, il y en a, elle n'est pas acceptée. Ce type de personne que tu as cité, quand il meurt, on est là, mais on est plus loin. Est-ce qu'il meurt en musulman ou il meurt en quoi? Celui qui meurt kafir, on le là, d'accord. Et encore une fois, là, on n'est pas en train de parler du takfir al-mu'ayyan. D'accord? Là, on n'est pas en train de parler du fait de rendre kafir quelqu'un en particulier ou une personne. Pour ça, il faut des règles. On les a vues, ces règles-là. D'accord? Au tout début des cours de ce livre. Vous voyez? On a vu les hakam al-dawabit al-takfir. Les conditions, les règles de l'excommunication. D'accord? Là, on parle de manière générale. Celui qui fait ça, celui qui dit ça, celui qui croit ça, c'est un kafir. Maintenant, de là à dire que Abdullah ou la Muhammad ou la un tel ou un tel, c'est un kafir, là, il faut des étapes là, pour ça. Vous voyez? Et pour cela, pour comment dire, prononcer le jugement de kofr, de dire qu'un tel est sorti de l'islam, il faut faire appel aux gens de science. Il faut revenir aux gens de science. Vous voyez? Normalement, c'est le juge qui prononce quelque chose comme ça. Qadi, vient le qadi, il dit, hada kafir, hada murtad, hada. Vous voyez? C'est pas à nous de faire ça, normalement. Donc, s'il y a, quelque chose, on doit revenir aux gens de science, mais de manière générale, on a le droit de dire, celui qui adore autre qu'Allah, jalla wa ala, hada kafir. Celui qui insulte Allah, hada kafir. Tu as le droit de le dire. Vous voyez? وأمور الدين على ثلاثة أنواع. الأول ما تعلق بأصول الاعتقاد، فهذه من أعرض عن تعلمها وترك تعلمها فإنه يكفر ولا يعذر بجهله إذا كان عن تقصيره مع القدرة وعدم المانع. Il dit le cheikh, les choses de la religion sont de trois sortes. La première, celles qui concernent yani, les fondements de la croyance. Les choses des fondements de la croyance. Usul al-i'tiqad. Donc celui qui se détourne de l'apprentissage de ses usul, de ses fondements de la croyance, qui se détourne de la connaissance de ces fondements-là de la croyance, il aura mécru. Et il n'est pas excusé par son ignorance. Si son ignorance est due à la paresse, alors qu'il pouvait apprendre. Et que rien ne l'empêchait d'apprendre. D'accord? Il pouvait très bien aller à la mosquée de son quartier, interroger l'imam sur la croyance, sur le tawhid, sur les piliers de la foi, etc., etc. Lui, s'il pouvait faire ça, et que rien ne l'empêchait de le faire, et qu'il ne l'a pas fait, même par paresse, il aura mécru. Parce que ce sont les fondements de la croyance. D'accord?
Et ce i'rad, on l'appelle i'rad al-tawalli. Ou ce kufr, pardon, on l'appelle kufru al-tawalli wal i'rad. C'est la mécréance du fait de tourner le dos. D'accord? النوع الثاني من أعرض عن تعلم الواجب عليه من العبادات والأعمال كسلا وتهاونا مع القدرة وعدم المانع فإنه يأثم وتبطل العبادة التي أخل بتعلم واجباتها وأركانها وشروطها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر مسيء الصلاة فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل طيب et la deuxième le deuxième type de choses que on peut apprendre en islam celui qui s'est détourné d'une chose qui lui est obligatoire de connaître parmi les adorations Parmi les actes de l'islam, par paresse et par négligence, alors qu'il avait encore une fois lui aussi la possibilité d'apprendre et que rien ne l'empêchait d'apprendre. Voyez? Eh bien, lui, il aura commis un péché. Il a commis un péché et l'adoration, du coup, qu'il a faite et pour laquelle il n'a pas appris ses piliers, ses obligations, ses conditions. Du coup, celui forcément qui n'a pas appris quelles sont les obligations d'une adoration, la prière par exemple, il n'a pas appris quelles sont les obligations de la prière, quels sont les piliers de la prière, quelles sont les conditions de la prière, forcément sa prière, elle sera mal faite. Et cela va annuler son adoration. C'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas excusé celui, l'homme qui avait mal fait sa prière. Il n'a pas excusé. Il lui a pas dit, c'est pas grave, tu ne refais pas ta prière. Tu l'as mal faite, mais tu ne la refais pas là. Il lui a dit, retourne, refais-la. Retourne et refais-la. Donc son ignorance ne l'a pas excusé. Il lui a dit, retourne, prie, car tu n'as pas prié. D'accord? C'est-à-dire que sa prière, faite comme il l'a faite, n'est pas acceptée. An Hudhayfata, radiallahu anhu. أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه أي الراوي يقول وأحسبه أي أحسبه حذيفة يقول لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الحكم من حذيفة رضي الله عنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فلما حكم حذيفة بهذا دل ذلك على أن الجهل لا يعذر به المرء إذا كان عن تقصير في الطلب والسؤال إذا كان عن تقصير عن الطلب والسؤال يعني أعرض عن التعلم حتى في العبادات وهذه لا يعذر فيها بالجهل مع إمكان التعلم. Il a été rapporté par ou de Hudhayfa رضي الله عنه comme quoi il a aperçu un homme il a vu un homme prier et qui ne s'inclinait pas correctement, ou parfaitement, et qui ne se prosternait pas correctement. Et lorsque l'homme a terminé sa prière, Hudhayfa, il lui a dit, tu n'as pas prié. Ma salli, tu n'as pas prié. Hein? Puis il lui a dit, Law mutta mutta ala ghayri sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu meurs comme ça, eh bien tu mourras sur autre chose que la sunna de Muhammad. Tu ne mourras pas sur sa sunna. Sunna, il y a quoi sunna? Il y a quoi sunna? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïe? Là où mutta. On dit mitta ou la mutta? Hein? On peut dire les deux. Mitta ou mutta? Mata
Il y a Moutou, on peut dire aussi Yamatou. D'accord? Il y a deux lourats ici. On peut dire Mata Yamoutou, ou Mata Yamatou. Si on dit Yamoutou, on dit Mouta. Et si on dit Yamatou, on dit Mita. D'accord? Voilà. Donc ce jugement-là, qui provient de Hudhayfa, radiallahu anhu, bien sûr, ne peut pas provenir d'un ijtihad, d'un effort de réflexion de sa part, indépendant de ce qu'il a appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, ce n'est pas possible. Donc, cela nous montre, ce jugement-là, il nous montre que l'ignorance de la personne n'est pas excusable si cette ignorance-là est le résultat de quoi? Eh bien, de la négligence, de la paresse ou le fait de ne pas poser la question aux gens qui savent, ou de ne pas chercher la réponse à ces questions ou la science qu'il ne détenait pas. Vous voyez? Donc il s'est détourné de l'apprentissage, donc au niveau de l'adoration, et celui-là, donc il n'est pas excusé par rapport à cela, à condition qu'il avait les moyens d'apprendre. D'accord? Celui qui n'a pas du tout les moyens d'apprendre, qui n'a personne à qui demander, qui ne peut pas demander, qui ne peut pas chercher, lui, il est excusé, alhamdoulilah. Mais encore une fois, aujourd'hui, rares sont les gens qui vraiment peuvent prétendre qu'ils ne peuvent pas connaître, ne peuvent pas apprendre, ne peuvent pas savoir. Il y a peut-être 100 ans, on a un peu moins, peut-être. Hein, ceux qui vivaient dans des endroits très reculés, pas de radio, pas de livres, rien du tout. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. النوع الثالث من أعرض عن تعلم الدين عبادات واعتقادات ومعاملات جحودا وإنكارا فهذا كافر لأنه أتى بناقد الجحود والتكذيب وبناقد التولي والإعراض قال جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وعن يزيد بن سمرة أبي هزان أنه سمع عطاء الخراساني يقول مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام مجالس الذكر الحقيقية هي مجالس الحلال والحرام طيب. Et le troisième type de choses, de sciences que l'on trouve dans la religion, celui qui se détourne de la religion, qui se détourne des adorations, de l'apprentissage des adorations, des croyances, al-mu'amalat, al-mu'amalat. Donc c'est quoi le terme al-mu'amalat qu'on utilise souvent? Pour, voilà, les relations sociales. Et souvent, on l'utilise, nous, pour le commerce, mu'amalat, etc. C'est pas faux, mais c'est plus vaste quand même que ça. Mu'amalat, il y a l'ahkam shar'iyya, al-muta'alliqa bi-umour al-dunya. L'ahkam al-muta'alliqa, shar'iyya, muta'alliqa bi-umour al-dunya. Hein? Kal-bay' wa-shira, wa-l-ijara, wa-hakad. Taïe. Donc le mu'amalat, le fait de connaître, de savoir les règles religieuses concernant tout ce qui est propre à la dunya, comme le commerce, encore une fois, la vente, l'achat, la location, les contrats de mariage et tout. Et tout ça, ça rentre dans le mu'amalat. Donc celui qui n'apprend pas toutes ces choses-là, par refus, il refuse de les apprendre. Alors qu'il a la capacité, eh bien celui-là c'est un kafir. Il aura mécru, car il aura fait une chose qui est de l'ordre de l'annulatif au niveau du takdhib, au niveau du juhud. Kufr al-juhud. Hein? Kufr al-juhud, le fait de refuser, de rejeter quelque chose de l'islam. Également il sera tombé dans ce qu'on appelle kufr al-tawalli, le fait de se détourner de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a vu le verset surat As-Sajda. D'accord? Qu'est-ce qui peut nous rappeler les cinq formes de kufr? Oussama.
On a cité là déjà plusieurs. De se détourner. Non, Kofr al-i'rad wa tawalli. Celui dont on parle actuellement. Kofr al-nifaq, hypocrisie. Du déni. Kofr du déni, takdhib. Kofr takdhib, le fait de ne pas croire. Non, takdhib, démentir. Tu as dit démentir? Afwan, non, démentir. Kofr al-shak, ahsant. Et l'orgueil, mashallah. Kofr istikbar wa iba. D'accord? C'est les cinq formes de kufr. Toutes les formes de kufr, tu peux les classer dans une de ces catégories. D'accord? Il a été rapporté par Yazid ibn Samura, Abi Hizan, rahimahullah, qu'il a entendu Ata al-Khurasani. Donc, cela, c'est des rapporteurs de hadith qui font partie des Qul Mufaddala, 1er siècle, 2e siècle. Il a dit Ata al-Khurasani. Il a dit, les assises de rappel, en vérité, ce sont les assises où on va évoquer le licite et l'illicite. Al-halal ou al-haram. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qu'Allah il veut? Qu'est-ce qu'Allah il aime? Qu'est-ce qu'Allah il déteste? C'est ça les vraies assises de rappel. Ce n'est pas les assises de rappel comme chez les soufis, qui sont là à faire du takbir, tasbih, ou à tahlil ou hakada, en groupe ou autre, encore pire, il y a ce qui, c'est pas ça les assises de rappel. Les vraies assises de rappel, tayeb, ce sont celles où on va mentionner qu'est-ce qu'Allah il veut de nous, qu'est-ce qu'Allah il nous a interdit, qu'est-ce qu'il nous a rendu obligatoire, qu'est-ce qu'il aime, et qu'est-ce qu'il déteste. C'est ça les vraies assises. Donc celui qui se détourne de ces assises-là complètement, cela peut rentrer donc dans un des annulatifs de l'islam. Allah Ta'ala. Celui qui assiste régulièrement aux assises de séance, mais qui ne révise pas, il est excusé s'il commet des fautes. C'est un taqsir, mais non. C'est une négligence de sa part. C'est une négligence de sa part. Mais tant qu'il reconnaît que c'est obligatoire et tout. Mais ça peut être un ça peut être un péché de sa part. Si cela l'amène à ne pas faire correctement une adoration, alors qu'il avait les moyens d'apprendre, de réviser et de retenir les choses, ça peut être une faute de sa part, bien sûr, c'est une faute de sa part. Il a dit celui qui s'est assis, qui a appris, qui a noté, mais après il n'a pas révisé. Il n'a pas révisé. Non, ça c'est une erreur de sa part aussi. Non. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaqul al-musannif rahimahullah wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazil wal-jadd wal-khaif illa al-mukrah. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa min akthari ma yakunu wuqu'an. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه وصلى الله وسلم أو وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. يقول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فلم يأذن الله عز وجل في الكفر إلا المكره إلا المكره فالجاد والهازل والساخر والخائف الذي لم يصل إلى حد الإكراه كلهم غير معذورين في الكفر فإن صدر الكفر منهم فهم ممن شرح بالكفر صدرا لأن القلب العامر بتعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم دينه والقلب المملوء القلب المملوء محبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولدينه لا يصدر من صاحبه قول الكفر أو فعل الكفر إلا ماذا مكرها
فإذا صدر منه في غير حال الكراه فهو ممن شرح بالكفر صدرا. Donc, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, pour clôturer son épître, il dit il n'y a pas de différence dans toutes ces annulatifs de l'islam entre celui qui plaisante, entre celui qui est sérieux, entre celui qui a peur, hein, qui a fait ça par peur. Sauf celui qui est mukra, celui qui est contre al-mukra. Vous voyez ? Puis il dit, et tous ces annulatifs-là de l'islam font partie des choses les plus graves et les choses dans lesquelles les gens tombent le plus. Il faut donc que le musulman prenne garde à ces choses-là et qu'il en ait peur pour lui-même. Et on demande à Allah protection contre ce qui entraîne sa colère et son châtiment douloureux. Il dit Allah Jalla wa Ala dans la sourate Al-Nahl, dans le sens rapproché, celui qui a mécru en Allah, après qu'il ait eu la foi, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur est plein de sérénité de la foi. Mais quant à celui qui a ouvert délibérément sa poitrine, son cœur, à la mécréance, eh bien ceux-là, ils auront une colère d'Allah Jalla wa Ala, et un châtiment douloureux ou immense. Donc on comprend par là que Allah tabarak wa ta'ala n'excuse pas al-kufr sauf pour celui qui a été contraint. Quant à celui qui était sérieux, celui qui a plaisanté, celui qui a qui s'est moqué ou celui qui a eu peur, tant que cela ne l'a pas, yani, tant qu'il ne s'est pas trouvé dans une situation de contraintes réelles, eh bien, tout cela ne sont pas excusés auprès d'Allah Jalla wa Ala dans leur kufr. Donc, s'il y a du kufr qui est fait par ces gens-là, voyez, eh bien, ils auront ou feront partie de ceux qui ont ouvert leur cœur à la mécréance. Parce que le cœur qui est habité par la glorification d'Allah, le cœur qui est plein de respect et d'amour pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa religion, un cœur qui est rempli d'amour pour Allah, d'amour pour le messager, d'amour pour sa religion, eh bien, la personne ne pourra faire un acte de kufr ou prononcer un acte de kufr que si elle est contrainte à le faire. D'accord ? Quant à celui qui n'a pas été contraint à faire telle ou telle chose, eh bien, il aura ouvert son cœur, en vérité, complètement à la mécréance. C'est pour ça qu'il a dit « Illa man ukriha wa qalbu mutma'in bil iman ». C'est le seul qui est excusé ici. Comment on peut avoir peur sans contrainte? Je devrais poser la question sur la contrainte. Qu'est-ce que la vraie contrainte? Hada wa su'al. Plus simple, c'est plus simple. Demande c'est quoi la contrainte, comme ça tu sais que tout ce qui n'est pas la contrainte n'est pas excusable. Donc qu'est-ce que la contrainte? Notre honneur, il est en jeu. Voilà. Ton honneur ou ta vie? Non, ma vie. Ben là, Yacoul, le cheikh, illa al-mukra. Illa al-mukra. Taïeb, fi hada annahu la yustathna fi hadhi an-nawaqi ou fi al-waqi'ina fiha illa al-mukra. فمن هو المكره أذن إن شاء الله نواصل بعض الأذان إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر C'est de finir, Charles. Il reste deux pages. Hein? Malik.
être un otage. Ça va prendre 10 minutes. أشهد أن محمدا رسول الله. S'il avait fait le combat de l'islam, plutôt que du kofre, qui domine l'islam, là où il n'a pas vu ça, son cœur était rempli de foi, il était rempli de foi, il n'a pas vu de foi, c'est un péché grave, c'est un péché grave, mais il a laissé pas du tout, parce que son intention, il a laissé. Ce problème, c'est ça. C'était pas pour faire dominer la transition, mais pas pour anéantir l'islam. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذا ما معنى المكره؟ المقصود بالمكره هو من لا يستطيع التخلص من مكره، الذي لا يستطيع التخلص من مكره. على سبيل المثال، تسلط كافر على مسلم، صحيح؟ فجعل على رأسه أو نعم فوق رأسه سيفا أو مسددا، فقال له لا تصلي، لا تصلي لا ليلا ولا نهارا، فمنعه من الحركة للصلاة، مثلا جعله واقفا أو قاعدا، وهدد بالقتل لوجود أي حركة تدل على أنه يصلي، فهذا معذور، هذا مكره معذور. طيب مثال آخر، تسلط كافر ظالم على مسلم فجعل على رأسه مسددا سيفا وقال له لا تسبن محمدا نبيك صلى الله عليه وسلم والا قتلناك، والا قتلناك، وعلى راسك مسدد. سي اوفير او سي فيرمي؟ سي فيرمي. الله اكبر. سي فيرمي. ها؟ سي دور. فيرمي لا بورت. طيب فهذا معذور، هذا معذور أيضا، لكن بشرط، بشرط ماذا؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إيمانه ثابت، وإنما أجابهم بلسانه فقط، بلسانه فقط. الدليل قوله تعالى en train de disputer, c'est ça, j'ai une guerre. Illa man ukrih wa qalbuhu mutma'innun bil iman. طيب فبان c'est la bagarre. C'est quoi, c'est 18 ans? Hein? C'est ça? Je me dis bon? Odile. طيب فهذا بان ان الذي يمكنه التخلص
الذي يمكنه التخلص بهرب مثلا أو استعمال معارض ومع ذلك استسلم للإعراض فهذا غير معذور. Donc est-ce que qui est celui qui est vraiment contraint? D'accord? Celui qui est contraint, c'est celui qui ne peut pas se défaire du contraignant, de la personne qui est en train de le contraindre à commettre un acte de kufr ou à prononcer un acte de kufr. Il ne peut pas s'en défaire, il ne peut pas s'échapper ou la s'enfuir ou combattre ou se défendre. Par exemple, un kafir, zalim, ennemi de l'islam, fait prisonnier un musulman. Et il lui dit, il lui met sur la tête hein, un pistolet ou un couteau ou autre, et lui dit, ne prie pas. Je ne veux pas te voir faire un seul geste de la prière. Sinon, je te tue. Sinon, tu es mort. Ça y est ? Lui, il est excusé ou pas excusé ? Il est excusé. Il est excusé. Il peut même, s'il veut, prier avec son cœur. S'il voit que l'heure elle va passer, qu'est-ce qu'il prie? Il prie avec son cœur. Il ne pourra jamais voir qu'il prie avec son cœur. C'est pas possible. D'accord? Sans les ablutions, sans rien, s'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est excusé. Deuxième exemple, celui, pareil, Yannick a été fait prisonnier par un kafir et qui lui a dit insulte ton prophète. Insulte ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne le fais pas, je te tue. D'accord? Il est capable de tuer. Il a une arme, il a quelque chose, il peut te tuer. Et toi, tu ne peux pas lui échapper. Tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas t'en défaire. Dans ce cas-là, tu es excusé aussi. À une seule condition, bien sûr, c'est quoi? Et que ton cœur soit rempli de la foi. Tu insultes avec ta langue, mais pas avec ton cœur. Ton cœur, lui, il est rempli encore de l'amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu le dis avec ta langue, ou tu fais des choses avec tes membres, mais pas avec ton cœur. Ça, c'est la seule condition. Par contre, celui qui ouvre son cœur, vous voyez? Donc, ça montre aussi une chose. Ça montre que celui qui peut s'échapper, d'accord? Qui peut s'échapper, qui peut se défendre, qui peut faire quelque chose, il est capable physiquement. Ou alors il peut utiliser des formules à double sens. On appelle en arabe al-ma'arid. Al-ma'arid. Al-ma'arid, al-fad. Al-fad, fiha ma'nayayn. Ou ma'nayayn. Des expressions dans lesquelles il y a plusieurs possibilités de compréhension, plusieurs interprétations. D'accord? Et lui, ce qu'il va vouloir à travers son propos, c'est le sens le plus éloigné. Alors que celui qui l'écoute, il va prendre le sens le plus proche. D'accord? Donc lui aussi, il peut utiliser ce genre d'expression ou de mensonge, entre guillemets. Ce n'est pas un mensonge en vérité. C'est une ambiguïté, na'am, qui peut être interprétée de différentes manières. C'est mieux pour lui. D'accord? Mais s'il ne peut pas, ni cela ni cela, il peut insulter. Il peut se prosterner pour... autre qu'Allah Jalla wa'ala, mathala, s'il est vraiment contraint à le faire, mais tant que son cœur, il est rempli de la foi. D'accord? Alhamdulillah. Tu as compris, Soufiane? Dans un cas de contrainte, vous pouvez faire quoi? Dans un cas de contrainte? Oui. Tu prends le plus facile. Le plus facile. Parce que ça me rappelle l'histoire de la femme qui a jugé ses enfants. Et de la main, ils disent que de manière absolue, c'est mieux de ne pas le faire. Ils disent que ce n'est pas interdit d'obéir à la contrainte, mais si tu n'obéis pas, c'est mieux. Auprès d'Allah, tu as plus de récompenses. Certains disent non, prends ce qui est plus facile, plus aisé pour toi. Ça y est. Certains disent que ça dépend. Ça dépend qui tu es. Si tu es un grand imam de l'islam, par exemple, comme l'imam Ahmed, et qui lui ont demandé des choses, il n'a jamais accepté, parce qu'il savait que si lui, il accepte de dire certaines choses, il y a plein de monde qui vont suivre derrière. Donc il va égarer plein de gens derrière. Vous voyez? Donc ça va dépendre un peu de tout un chacun. Nous, Yanni, on n'est pas des gens influents, quoi que ce soit, donc il n'y a pas de problème à
ne pas ou à obéir dans la contrainte. Mais c'est pas considéré comme un suicide, par exemple. Parce qu'on pouvait dire les choses, mais c'est pas tout clair. Mais on refuse de le faire, on se tue. Non, c'est pas un suicide. C'est pas un suicide. Un suicide, c'est celui qui veut se tuer. Il saute du 10e étage, lui il veut se tuer. D'accord, c'est ça un suicide. Hein. C'est pas quelque chose. Nous on croit que ouais, celui qui conduit une voiture à 220 sans la ceinture, s'il meurt, c'est un suicide. Non, c'est pas un suicide. C'est pas son intention, lui, de se suicider. Certes, il a commis une infraction énorme, d'accord, il est fautif, mais c'est pas un suicide. Le suicide, c'est le suicide. D'accord, celui qui se pend, il est suicidé. Mais là, non. Hein? C'est l'intention, oui. Pour être sûr, parfait. Donc là, ici, quand celui qui a peur, c'est donc celui qui peut échapper à la contrainte. Donc la peur des contraintes, mais il peut, voilà, il peut échapper. Voilà. Parce qu'il fait aucun effort. Une peur qui n'atteint pas le degré de la contrainte, Yanni, qui fait que tu es excusé. D'accord? Comme il dit ici, Al-Khaif alladhi lam yasid ila hadd al-ikrah. Al-Khaif, celui qui a peur, dans la peur, n'atteint pas le degré de la contrainte réelle, contraignante, qui fait que tu ne peux pas échapper à ton ravisseur. Voyez? Qu'est-ce qu'on fait? Il reste deux pages, les frères. On termine? Comme ça, on commence Kitab Tawhid le mardi prochain. Hein? On commence le cours par Kitab Tawhid au lieu de commencer par Nawar Qidan Isla après finir avec Kitab Tawhid. C'est pas. Hein? Je commence pas à les décourager. Comment ça va prendre? D'ailleurs. ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل أو لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. كفرعون وإبليس وأمثالهما. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص. قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Donc il dit il n'y a pas de différence entre le fait que التوحيد, il n'y a pas de divergence pardon entre le fait que التوحيد est une chose qui est obligatoire pour le cœur, pour la langue et pour les membres. D'accord? Et que celui pour qui il fait défaut une de ces trois choses-là, le cœur, la langue ou les membres, yani, il n'est pas musulman. Il faut qu'il rassemble Tawhid dans ces trois choses-là. Dans la parole, dans la croyance, bien sûr, et dans ses actes. Celui qui connaît Tawhid, mais qui ne le met pas en pratique, il sera considéré comme un kafir mu'anid. Il sait ce qu'est Tawhid, mais il ne le met pas en pratique. Il fait du shirk, bien qu'il sache ce qu'est Tawhid. D'accord? Donc lui, on dit qu'il est mu'an, il est entêté. Il est obstiné, tel que Fir'aoun, ou Iblis, et autres que ces deux-là. Celui qui met en pratique Tawhid, d'accord? Qui pratique Tawhid, de manière apparente, mais ni ne sait ce qu'est Tawhid, ni ne croit dans son cœur vraiment à Tawhid, les bases du Tawhid, lui, il est hypocrite. Munafiq. D'accord? Et lui, il est pire que le kafir de base. Le kafir de base qui ne veut pas appliquer Tawhid, eh bien celui qui applique Tawhid mais qui ne croit pas dans son cœur, il est pire en vérité que le deuxième. Il sera même au plus bas niveau de l'enfer comme il dit Allah Jalla wa'ala. وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَإِذَا تَحَقَّقْتْ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ غَزَوْا الرُّومَ مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل فيه خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم مما يتكلم بكلمة يمزح بها وتأمل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة. قال جل وعلا ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. Donc il dit par la suite, réfléchis et médite sur la parole d'Allah Jalla wa Ala lorsqu'il dit, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc lorsque tu auras compris que certains compagnons qui ont combattu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre Roum, contre les Nasara de l'époque, ils ont mécru malgré ça, donc malgré, imaginez-vous, les combats qu'ils ont menés, les risques qu'ils ont pris à combattre, malgré ça, ils sont tombés dans les coufres. Dans un coufre à cause d'une parole qu'ils ont commis ou qu'ils ont dite, il y en a pour plaisanter, pour s'amuser, pour faire passer le temps, comme ils ont dit. Hein? Cela te montre donc que celui qui dit une parole de coufre parce qu'il a peur de perdre de l'argent, de perdre un travail, ou pour par complaisance, pour faire plaisir, ou pour plaire à certaines personnes, celui-là, il est plus grave que celui qui a prononcé une parole de kufr pour rigoler. Subhanallah, qui c'est le plus grave? Celui qui a fait du kufr pour plaisanter, pour rigoler, ou celui qui fait du kufr, yani pour des choses matérielles ou des intérêts de la vie mondaine? Subhanallah. Réfléchis donc sur la parole d'Allah Jalla wa Ala, celui qui a mécru en Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint et son cœur est empli de la foi, mais celui qui a ouvert sa poitrine à la mécréance, eh bien ceux-là auront la colère, une colère d'Allah et un châtiment immense. Cela pourquoi? Parce qu'ils ont préféré, Allah dit, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, parce qu'ils ont préféré la vie terrestre à l'au-delà. À l'au-delà. Donc Allah Jalla wa Ala n'excuse pas cela, sauf celui qui a été encore une fois contraint alors que son cœur il est encore empli de la foi. وَأَمَّا غَيْرُ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ سَوَاءً فِعْلُهُ أَوْ فَعَلَهُ خَوْفًا أَوْ مُدَارَةً أَوْ مَشَحَّةً بِوَطَنِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ عَشِيرَتِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْرَاضِ إلا من الأغراض إلا المكره فالآية تدل على هذا من جهتين الأولى قوله تعالى إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره لا غير ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها الثانية قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن سبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا وآثره على الدين والله تعالى أعلم. Puis il dit, quant à celui qui a mécru après avoir cru, qu'il ait fait ce qu'il a fait par peur, ou pour, encore une fois, par complaisance, ou pour, comment ils ont traduit, mashahatan, Malik ? Diligence. Diligence. Ou par diligence envers sa partie ou sa famille. Ça veut dire quoi, diligence ? Hein ? Il faut traduire le français maintenant. Traduire le français. Ils sont où les traducteurs français-français ? Français-français. Diligence. Diligence, la caravane. Ça, je la connais. Abdelhafid, diligence de la lumière. On a dit. Vous voyez ? Diligence. Faire un travail rapidement et avec soin se dépêcher. Rapidité dans les détections d'une chose. Je vois pas le rapport du coup avec le Watan ici. Al-Muhim, je pense que le cheikh il veut dire. Celui qui fait ça, yani, pour faire plaisir à son pays, ou par rapport à son pays, par rapport à sa famille, par rapport à sa tribu, à son clan, pour ses biens, pour ne pas perdre, on a dit comme tout à l'heure, ses biens ou son argent. Celui qui fait
aussi ces choses-là pour plaisanter, pour rigoler, ou autre que cela, parmi les raisons qui l'auraient poussé à le faire, eh bien lui, il n'est pas excusé. Le seul qui est excusé, c'est Al-Mukra. Celui qui est contraint, comme nous le montre le verset, il dit à Allah Jalla wa Ala, Illa min ukra, celui qui est contraint. Donc Allah Jalla wa Ala n'a émis aucune exception, si ce n'est pour Al-Mukra. Et il est connu que Al-Mukra, celui qui est contraint, il ne peut être contraint que à dire une chose ou à faire une chose. Mais ce qu'il y a dans son cœur, personne ne peut contraindre ton cœur à croire quelque chose. D'accord? Ton cœur, lui, yani, toi seul, yani, dispose de ton cœur. Hein? Et avant toi, Allah Jalla wa Ala. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah dit, la ikraha fi din. La ikraha fi din. Ça veut dire que tu ne peux pas contraindre quelqu'un à croire. Tu ne peux pas faire rentrer la foi dans le cœur de quelqu'un. D'ailleurs, non. Et le, Allah dit également, cela car ils ont préféré la vie terrestre à celle de l'au-delà. Donc Allah Jalla wa Ala, il a été clair ici. Il nous a dit que le kufr et le châtiment ne peut pas être lam yakun bisabab al-i'tiqad ou al-jahl ou al-bughd. Ici, Allah il nous dit que ce kufr là, dans lequel ils sont tombés, ces gens, ce n'est pas à cause d'une croyance ou d'une ignorance ou du fait que ces gens-là détestaient la religion ou qu'ils aimaient le kufr. Mais il nous fait comprendre dans ce verset-là que ces gens-là sont tombés dans le kufr pour une chose de la dunya. Pour une chose, un bienfait ou un intérêt terrestre. Et qu'ils ont préféré ces intérêts-là à la religion. Allah Ta'ala, A'la. Taïe. Wa kathalik, nisbati li qawlihi, rahimahullah Ta'ala, wa kulluha a'zamu, ou kulluha a'zamu ma yakunu, خطرا ومن اكثر ماذا ومن اكثر لا وكلها من اعظم وكلها من اعظم ما يكون خطرا ومن اكثر ما يكون وقوعا. D'accord? Donc là ici on comprend que l'auteur rahimahullah ta'ala n'a pas délimité les annulatifs de l'islam yani à travers ces 10 là seulement. On comprend que ces 10 là sont les choses dans lesquelles les gens tombent le plus souvent, sont les choses les plus dangereuses pour les musulmans. D'ailleurs, mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui annulent l'islam de la personne. D'accord? Donc ce n'est pas une liste, yani, comme on dit, exhaustive des choses qui annulent l'islam. Certains ulama ont dit qu'il y avait 400 annulatifs de l'islam. Vous voyez? Donc il faut vraiment que la personne yani, sache et fasse attention à ne pas annuler son islam. Donc comme on dit, il faut connaître At-Tawhid, mais il faut connaître aussi ce qui annule At-Tawhid. Donc là, on a étudié ici, alhamdoulilah, nawaqid l'islam, les choses qui annulent le tawhid. Et on verra donc mardi prochain, à partir de mardi qui arrive, ce qu'est vraiment le tawhid, ce que Allah Jalla wa Ala, ou quels sont les droits d'Allah sur ces créatures. Fa, alhamdoulilah, alladhi, bi ni'matihi tatimmu s-salihat, tamma hadha, sharhu hadhi r-risala, al-mubaraka, al-nafisa, لمصنفها المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله التميمي غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين وآخر دعوانا توبة النصوح وتبادر بالتوبة تدبشي pour te repentir à Allah سبحانه وتعالى. طيب نعم. نعم il a reformule. Tu reviens à l'islam. Tu reformules. Dans tous les cas tu vas le reformuler lorsque tu vas prier, lorsque tu vas tu reformules ton shahadatain. طيب
C'est bon, il croit. C'est le ressort. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.